une petite vidéo sur ce que j'ai pris en cosmétique pendant mes vacances. Oui, c'est pas forcément très intéressant, mais j'ai pas assez confiance en moi pour vous faire des... Merci mon chat, pour vous faire des tutoriels. Je tiens la caméra, mon chat fait ses griffes. J'ai eu la bêtise d'installer la caméra sur son griffoir. Voilà l'explication. J'attends que madame ait fini. Merci. Donc, j'ai pas assez confiance en moi pour faire des tutoriels make-up parce que je trouve qu'il y en a qui se maquillent vachement mieux que moi. Par exemple, Sandrine ou Hélène, NLC. Alors, déjà, moi, j'ai pris ma petite trousse chat qui est un peu poilue, que ça ramasse un peu le lourd chat que j'avais reçu sur la cute box. Et si vous remarquez bien, elle a perdu son petit pompon. J'ai remarqué ça, il est ici, hein, mais il y a une petite queue. Il n'y a plus, voilà, qui était bien pratique. J'avais pris avec ça ma petite palette Léopard en fard à paupières parce que j'ai dit la Too Faced chocolat bar, j'avais pas envie de la péter, hein. Donc j'ai pris en format pocket et j'ai réussi à l'exploit que ma valise elle faisait que 11 kilos. Alors celle-ci elle a bien voyagé, elle est bien pratique. Je l'aime bien, je l'adore cette petite. Je ne l'utilise pas tout le temps parce que j'ai un paquet de trucs. Je vais vous montrer, c'est la Léopard de Famous X. Voilà. Montre juste. Il y en a qui ont déjà dû la voir. Couleur. Moi, je gratouille pas mal cette colonne. Là. Voilà. Et par là. Essentiellement les couleurs faciles à apporter. Avec mon petit miroir. Aussi Léopard, on va dire, je suis à fond dans les guépards, moi, en ce moment. Guépard miroir, vous avez déjà vu. Famous X, qui est revenu entière, vous voyez la caméra, coucou, j'en profite que le jardinier soit parti. Oui, ça recommence. Alors avec ça, j'ai pris un truc qui est bien pratique à transporter, que tout le monde connaît maintenant. Je tiens la caméra, parce que mon chat insiste. The Body Shop, camomille, qui commence à descendre. Ça, je suis contente pour ça, parce qu'on voit le fond. C'est un beurre démaquillant, hein, qui est très doux pour la peau. Et voilà, on voit le. Vous voyez, ça commence à descendre. Je vais peut-être y arriver. Pour le vernis, j'ai rien pris. C'est du vernis semi-permanent que je fais là depuis quelques temps. Donc, ça va pas beaucoup demander d'entretien. Voilà, on voit le fond. Je vais arriver à le finir. En shampoing, j'ai pris un échantillon que m'a donné la coiffeuse. Avant d'aller en vacances, je suis allée chez le coiffeur. Vous voyez, je suis moins rousse, hein, je suis plutôt partie dans le châtain. Elle m'a donné un échantillon kérastase pour un bain chroma captive pour prolongateur de couleur qui n'est pas terminé. Ça m'a fait la semaine, comme je me lave les cheveux tous les 2-3 jours. Sinon, ça ressemblait à un petit mouton à la fin parce que j'ai les cheveux qui ondulent naturellement. Voilà. Pour ce que je l'ai utilisé, il est pas mal du tout. C'est en format échantillon kérastase. Voilà, il en reste un peu. Avec ça, qu'est-ce que j'ai pris pour les coups de soleil, quoi. Je sais pas ce que j'avais bien pelé là par là. Bon, on voit pas parce que j'ai descendu. Ouf, je vais laisser la caméra comme ça. Florence Nature de gel aloe vera, je l'avais déjà montré. C'est un gel, vous le mettez sur la peau. Ça adoucit un petit peu, hein, mais ça n'a rien de transcendant quand même. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas grave. C'est un gel incolore. De toute façon, je l'avais déjà. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai pris. Hein. Voilà, c'est un gel comme ça. Là. J'avais pris un bon coup de soleil sur le décolleté. Avec ça, j'avais pris que je mettais sur le visage un indice 30. Toujours, je ne l'ai pas terminé. Oh, elle est dégueulasse. Ma bébé crème Precious Mineral. C'est Etude House. C'est la teinte numéro 2 médium. Il doit y avoir le numéro dessus. Voilà. Et derrière, c'est tout en. En coréen, ou made in China, ou chinois. Il y a un indice 30 de protection et ça m'a bien protégé la peau contre le soleil, que j'ai une peau assez sensible. Ouais, c'est de la teinte W13, voilà, c'est ce que je cherchais. Je vais le voir par là, normalement, si je ne me plante pas.
Avec ça, j'avais pris une Dove Immonde que j'avais déjà montré, que je disais que c'était pas terrible, mais alors si vous voulez sentir la transpiration, le déodorant Polenia, bio, naturel, tout ce que vous voulez, mais alors si vous voulez puer la sueur, voilà, il est pas du tout efficace. Donc, total, il n'est pas terminé, bien entendu. Et voilà, ben, j'en ai racheté un sur place. Enfin, un autre, j'ai pris dans une supérette le Woman Roxana, Rexona. Qui est pas mal du tout d'ailleurs. Ben, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que je crois que c'est marqué régulateur. Je vous montre, je regarde. Biorhythme, ouais, c'est ça. Long Lasting Protection, c'est une protection longue durée, ultra sec. Bon, 48 ans, on s'en fout. Zéro alcool, anti-transpiration. Voilà. Parce que moi, je transpire énormément et sans déodorant, ça le fait pas du tout, quoi. Alors, c'est en bombe 1. Et celui-là, il est bien. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas terminé puisque je l'ai acheté pendant les vacances. Avec ça, j'ai acheté des petites lingettes bébé en Croatie, donc de marque croate, hein, parce que c'est. J'ai pas vu cette marque ici. Petit format, il y avait des gros formats, mais pour voyager. Je crois que c'est pour la peau douce. Bon, sur les coups de soleil, ça fait un petit peu mal, hein, mais c'est rafraîchissant. Je dirais pas pour les peaux. Bon, je vous montre quand même, mais c'est en croate, c'est pas en français. Sur les peaux pas irritées. Alors, je regarde dans quelle langue c'est. Ouais, c'est tout en croate. Voilà, ces petites lingettes. Lotion, soft lotion pour les bébés, il y en a 20. Ça m'a permis de me rafraîchir. Voilà. Regarde en même temps, j'ai pris quoi? La bombe Doumi Bio à la brume de rose pour me rafraîchir la journée. Je l'avais déjà montré. Et oui, je vous dis, je termine pas des produits comme ça, moi. J'avais pris la brume Fraîcheur au Monoï de Bayerwen. Que j'ai pas terminé, mais j'adore l'odeur. Voilà, ça rappelle les vacances. Il y en a encore pas mal, comme vous voyez. C'est une bombe fraîcheur, ouais, c'est ça, pour mettre sur le corps. Qui a l'air un peu biphasée, ouais, je la sous. Voilà. Je fais le tour par ici. Maintenant, on va ouvrir le petit chat. Ouais, il y en a un autre petit chat qui me saoule là. Bon, brosse à dents, vous en foutez, mais je vous montre quand même. Hein. Bon, ma brosse à dents, hein, Elmex, hein, c'est le moment sexe. J'avais pris l'échantillon Parodontax, pour les gencives qui saignent occasionnellement, parce que ça m'arrive, moi, comme j'ai les dents un peu. Hein, les gencives un peu sensibles et les dents un petit peu en arrière. C'est pour ça qu'on me dit que je ressemble à Patricia Cass, mais j'aime pas parce que ça me complexe, mon menton. Mais bon, c'est la petite parenthèse. Donc taxe en format échantillon, donc aussi très facile à transporter. C'est pour les gencives qui saignent. Ça m'arrive assez fréquemment d'ailleurs. J'ai des problèmes j'ai les dents qui se carient par le collet, le top. Mais bon, dans ma famille, on a tous des dents dégueulasses. Donc. Avec ça, j'avais pris mes petits échantillons que j'avais pas terminés, que j'avais reçus dans la inbox. Je sais plus laquelle. Ça me reviendra. J'avais pris spécial ride crème paillot. Voilà, qui est bientôt terminé, mais pas encore. Comme quoi, vous voyez que j'ai encore pas mal de stock. Je l'ai pris parce qu'il est en petit format. Voilà, et j'avais son petit. C'est spécial anti-ride, celui-là. Oh là, ils sont dégueulasses. Excusez-moi, c'est crayon. Voilà, et j'ai pris le petit pot Design Lift Visage de paillot. En pouce, là, je l'ai moins utilisé. Voilà, un qui est anti-ride et un qui est pour le contour du visage. Mais j'adore paillot. Ben plutôt ma peau. Des petits soins à 50-60 euros. Hein. Allez, on se gêne pas. Mais c'est en format de poche, donc bien pratique. Oula, je commence à en étaler de partout. Là, ça y est, je suis rentrée. J'avais pris mon baume à lèvres que j'avais reçu dans la cutbox beauté tonique, qui est à base d'huile d'olive. Il y a un petit goût d'ailleurs. Mais très hydratant, pas beaucoup utilisé parce que j'ai pas eu tellement des problèmes de dessèchement. J'aime bien en tube comme ça.
J'ai pas terminé, je vous dis, j'ai un paquet de produits. J'avais pris crayon Clarin blond, que j'ai racheté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Le crayon à sourcils de Clarins. Voilà, je l'aime bien. J'aime bien celui-là. Voilà, il est châtain clair. Je trouve que c'est une couleur qui me va pas trop mal. Plus foncé, je trouve que ça durcit les traits et ça me va pas. Pas non plus que les sourcils les fassent trop artificiels. Juste quoi les étouffer un petit peu. Voilà, j'avais. Ça c'est le 9. Je crois que je dois avoir le vieux modèle là-dedans. J'avais pris aussi le crayon Luminel de Yves Rocher qu'on m'avait offert lors d'un swap. C'est un marron. Je trouve qu'il est pas mal pour faire juste le contour des yeux. Voilà. Il est mal taillé, que je ne m'en suis pas beaucoup servi là-bas. Je n'avais pas trop le temps de faire tout. Je faisais surtout les paupières. Un crayon Luminel. Whoopé, il n'y a rien qui est tombé. Ça, j'avais pris le baiser elfique, le scrub pour les lèvres au sucre, que j'ai dû me servir une ou deux fois aussi. Voilà, c'est au sucre, c'est un petit gommage pour les lèvres, voilà, quand vous avez des peaux sèches. Voilà. Avec un goût pina. Je sais plus, il y a toujours un nom d'alcool, ça m'en revient jamais. En tout cas, il a un goût de sucre. Il est très très agréable. J'ai pas dû l'utiliser beaucoup celui-là. Très fignon. J'ai pris mon Smashbox Full Exposure qui commence à pas mal à baisser. J'adore ce mascara. Mais comme je suis infidèle au mascara, je risque d'en utiliser d'autres. Voilà. Celui-là, il commence à s'épaissir un peu, on va dire. Mais il est pas mal du tout. Mais comme j'ai des cils tout fins, tout pourris, je suis jamais contente de aucun mascara. Voilà, celui-là, il fait des cils pas trop dégueulasses. On peut le passer. Moi, je passe au moins 5 ou 6 fois quand même sur les cils pour avoir le sentiment d'avoir mis quelque chose. 5 ou 6 fois. Donc, celui-là, je l'aime bien parce qu'on peut passer 5 ou 6 fois sans que ça fasse des paquets. Et les noirs, des fois je prends des marrons. Celui-là, il est qu'en noir, le Smashbox. Mais il fait pas des paquets. C'est ce que j'aime bien. Il fait naturel. Bon, ça va pas faire des fils. Des cils non plus. Effet fossile. Mais pour moi, mettre des fossiles en vacances, déjà que. Oui, mon chat. Les fossiles, déjà en temps normal, c'est pas mon top. J'avais pris un pinceau pour les yeux d'Agnès B. Voilà, à l'époque où. Il y avait encore créateur de beauté, voilà, il y a le petit, vous voyez, le petit pinceau comme ça, là. Moi, je ne me tracasse pas, c'est limite si je ne fais pas au doigt les paupières, vous voyez. Et le petit embout mousse de l'autre côté, je le trouve très pratique. Ouais, il est doux. Je l'ai depuis quelques années, quand même. Comme dans la palette que je vous ai montrée, il y a des petits pinceaux, ils sont comme ça, ils sont pas très gros. J'avais pris la crème de nuit Saucens, mais je crois que je ne l'ai pas passée par fatigue. Ouais. Enfin, que je m'active d'ailleurs. Et bientôt fini, Saucens, que j'ai failli racheter, mais je me mords les doigts parce que c'est pas donné. Il faut que je fasse attention à mon budget en ce moment. Okay, j'adore. Là, j'ai fini la crème de jour. J'en manque. Je l'avais déjà montré, Saucens. C'est des produits bio. Mais ça me fait une peau pas collante, quoi, c'est ça. D'habitude, je brille, mais avec ça, je brille pas du tout. Bon, c'est la crème de nuit, hein. Mais la crème du jour, c'est un délice. Mon contour des lèvres qui commence à vieillir, d'Agnès B aussi, toujours. Et ce qui reste, il est tout pourri aux fesses. Et je mets toujours un petit capuchon pour pas que ça s'abîme. J'adore la couleur. Ça doit être cerise. La couleur. Oui, mon chat qui miaule, vous avez. Toujours d'Agnès B, on voit l'Agnès B là. Voilà. Mais il commence à s'user. Ça, je peux en racheter peut-être. Qu'est-ce que j'avais pris? Ça, c'était un autre pinceau que j'avais reçu lors d'un swap, qu'on m'avait offert, que je ne me suis pas beaucoup utilisé. Ce que je faisais rapidos, hein, c'était pour estomper. J'ai repris le rouge à lèvres que j'avais acheté de Guerlain,
que je mets que ça maintenant et qui était resté pendant longtemps dans mon placard, c'est le 165. On m'a fait un compliment, le rouge aromatique. Le 165. Champs-Élysées, hein, de mémoire. Je vais ouvrir ça. Voilà. Ouais, je crois que c'est la couleur Champs-Élysées de mémoire. Ouais. Alors, bien sûr, hein, c'est Guerlain, donc. J'appuie là, hop, et ça sort par là. Très jolie couleur. C'est pas un rose, c'est pas un rouge. C'est entre les deux, on va dire. Et par rapport à mes ongles qui sont orange pétard. Et il est assez crème, assez crémeux, assez courant. Je l'aime beaucoup. Enfin, moi, il me va bien. C'est une couleur qui a beaucoup cartonné le 165. Et le font encore. À 30 euros des broutilles, le rouge il peut. Mon chat continue, je m'étale. Ah ben le chat est derrière, c'est bien. J'avais pris le Touchette Life Saint Laurent que j'ai dû mettre une ou deux fois parce que bon, pour les cernes, je sais pas si on voit. Bon, tout le monde connaît, c'est la teinte 2, hein, de mémoire. Voilà, mais j'y vais des fois avec parcimonie. Quand j'en mets trop, ça me fait des yeux, ça me fatigue au contraire. Pour mettre vraiment. Comment vous montrer? Vous voyez là quand on est mauve là? Vous en mettez là. Là où il y a. C'est violet là. Ouais, on voit bien sur moi. Là. Tout là. Surtout là. Si vous oubliez cette zone là, ça vous fait un regard fatigué. Voilà. Avec le petit pinceau. J'ai dû utiliser une fois. Ouais, quand, là, comme ça, un petit peu bronzé. Que des fois, j'avais des coups de soleil. J'ai pris la base d'Urban Decay. Qui a changé, avant c'était un pinceau, je préférais. Il y avait un. Eh, je peux causer. Ouh. Urban Decay, qui est maintenant en petit tube. Voilà, ça sort par là. Avant c'était avec un embout mousse, c'était, je préférais. Enfin, c'est toujours aussi efficace. Hein. Oui. Il est couleur. Peau. C'est pour ça qu'il l'aime bien. Il est. Là, il fait bien tenir les fards. Il est très bon. Là, j'en ai pour un sacré bout de temps parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté celui-là. Un petit taille crayon, mais sûr qu'à faire que je nettoie, hein. Je crois que c'était des brochets pour tailler crayon normal. Ça, c'est n'importe quoi fait l'affaire. Un truc que j'aime bien que j'avais oublié de montrer dans tout ce que j'avais pris, c'est là. Est-ce qu'on a la roserait le contour des yeux? Alors, de tout ce que j'ai pris. C'est la contour des yeux que je préfère. Durée de vie 3 mois. Je sais plus si je l'ai montré celui-là. Oh, c'est pas grave. Alors celui-là, je l'adore. Des fois, je me le mets juste sur le contour des yeux et puis même un petit peu sur le visage. Bon, ça hydrate pas assez non plus, mais c'était pas dans le coffret celui-là. C'est pour ça que je l'ai acheté à part. Mais de tout ce que j'ai essayé, la crème pour le visage, le tonique et le lait, c'est le contour pour les yeux que je préfère. Soin complet, durée 3 mois, je pense, c'est parce qu'il y a moins de produits chimiques dedans. Il dure vraiment que 3 mois. Donc, pour ça que je m'en passe un petit peu sur le visage pour, voyez, pour que ça descende plus vite. Soin à la roseraie. Voilà, Made in France. C'est quoi ça? Soin complet, yeux complets, il est pas mal. Ouais. Moi qui ai les yeux très sensibles, c'est un petit chouchou. Parmi d'autres. J'avais pris l'Agnès B que j'ai pas utilisé. C'était quoi ça? Le Sakura Rose, ouais, c'est un rose un peu doré, je vais vous montrer. Il n'y a plus de soleil, on va pas voir. Voilà. Qui est sympa quand on est en vacances. Ah, ça fait ça. Vous voyez? Ça fait un peu doré. Rosé doré, ouais. Rose avec des reflets dorés. Mais j'ai préféré mettre l'autre. Me demandez pas pourquoi. Et puis ça se termine. Là, c'était le Clarins ancienne version qui se termine. Je vous ai montré l'autre. Voilà, il va falloir que j'arrange tout là. Ça, c'est le modèle. Et ça, c'est le couleur nature, mais il est plus de Yves Rocher. Vous voyez, il est plus marron. Je trouve que. Ou je mélange des fois les deux, mais je préfère celui-là maintenant. Je le trouve un peu foncé. Il est pas mal aussi.
Le crayon à sourcils au Steve Rocher, c'est un des rares trucs que j'achète. C'est le marron, celui-là, je crois. Couleur nature châtain. Voilà. Et puis j'ai tout fini, pas plus qu'à tout ranger. Voilà, c'était la petite vidéo, ce que j'avais pris en vacances. Oui. Et j'avais pris, je l'ai oublié de le mettre, comme à chaque fois que je dis, le gel douche à la pêche du petit Marseillais pour me laver. Voilà, que j'en ai un paquet de gel douche. Hein. Et voilà, fini. Allez, bisous.